Tu connais la route ou... Wow, oui. C'est un raccourci. Non, parce que c'est... C'est de l'autre côté, je le sais. Non, mais c'est parce qu'il faut faire... Les GPS, des fois, ils nous font prendre des chemins un peu différents, mais c'est vraiment un raccourci. Mm-hmm. Ouais. C'est pas Laval qui est marqué sur la pancarte. C'est pas Laval. Ah, oh, des enfants, c'est mignon. Ouais, c'est vrai que c'est cool, les enfants. Parce que qu'est-ce qui est le fun aussi de nos jours, c'est que tu sais que t'élèves un enfant qui va vivre dans un monde parfait, tu sais, qu'il n'y aura pas de conflit, qu'il n'y aura pas de danger vraiment. Ils vont avoir, comment qu'on dit déjà, l'abondance. Ils vont avoir l'abondance dans le monde. C'est ça qui est cool, mettre un enfant au monde de nos jours en 2022. Ouais, mais j'ai réfléchi, hein. Tu m'as ouvert les yeux. Je suis content de participer à ton émancipation intellectuelle. Fais-toi, Jérôme, hein? C'est pas quelque chose qui t'intéresse. Des enfants, là. Par là. Non? Pourquoi tu me poses cette changer question? Changer les couches, tu sais. Je dis ça de même. Non, mais moi, je suis trop dans la création, dans l'art. J'ai pas de temps à accorder. C'est ça, créer un enfant, ça fait partie, non? Là, on est avec les maquilleuses coiffeuses. J'ai remarqué qu'on voyait beaucoup après. Non, c'est pas le même. Ça se voyait beaucoup. Tes cheveux. Le décor, là, j'avais demandé un vaisseau spatial. Là. Mais ça ressemble pas à ça. Hein. C'est pas ça. Je pense qu'il va falloir. Il y a quelque chose qui cloche. Barbara! Tu cherches un mari ou? J'en ai beaucoup des maris. Je fais pas partie de ceux, là, malheureusement. On a fait un cover de Seven Nation Army qu'on a tenté de créer le plus original possible. Et avec artiste invité cette fois-là qui est Farah Wally. Bonjour Farah Wally. Salut. Et qu'est-ce qui vous a amené dans les tréfonds du 928 Sainte-Catherine-Est, à part le crack? Non, malheureusement non, je suis passée à côté de cette opportunité. Mais non, je suis arrivée par hasard, tout droit sortie de l'avion. Et j'ai découvert cette place incroyable. Vous avez vécu ici en fait? Ouais, j'ai vécu ici pendant 3 ans. Incroyable. Et puis je suis partie et c'est là qu'on a décidé de faire de la musique ensemble. Ça y est, on est mariés. Super. Donc vous avez épousé Justin Brault, le fameux réalisateur. Pour son argent. Oh. Ils veulent toutes la même chose. Sinon, c'est à portée China. Est-ce que je dois te dire que c'est une vidéo ou pas? Je pense que ce qui nous a vraiment amené à créer cette aventure, à s'embarquer dans ce projet, c'est l'envie de partage, de communication, la communauté dans laquelle on vit, qui nous amène à créer plus à chaque fois et à échanger avec le monde, faire vibrer les gens, puis nous faire vibrer aussi. Puis je pense qu'à date, on arrive à un bon résultat là, on a hâte de voir la suite. Peut-être je repensais à ce que tu me disais là sur les enfants. Mm. Je sais pas si c'est une bonne idée en fait. Mais en même temps, la parentalité c'est quelque chose de merveilleux. Ça nous permet d'arrêter de penser à nous puis de penser à l'autre. C'était quel tournage? We Are the World en 96. Oui. Je m'occupais du tout ce qui était l'aliasing. Oui. C'est pour ça que si tu regardes la vidéo, il n'y a pas d'aliasing. Est-ce que vous êtes au courant que Pascal Vanas est sous cocaïne aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Il nous a prévenu à 3h du matin. Parce que moi aussi, j'ai pris beaucoup de drogue. Hein. J'ai pas réussi à dormir. C'était très compliqué. On a parlé de ça, savoir si finalement on demandait aux gens d'embrasser une photo de moi au début du tournage. Est-ce que... Ouais. Avec une petite prière. Oh ouais, ça serait excellent. Ça. Ouais, ça serait excellent. Ça. Ça va? Ouais, toi. C'est moi le réalisateur. Ah, sympa. C'est le charisme du réalisateur. On passe sur le set, s'il vous plaît. On va. Putain, mais... Justin, j'avais pas demandé qu'il y ait le calme sur le set. Qu'il y avait quoi? Le calme. Je l'ai dit, mais... C'est trop beau. Chatte sauvage. C'est trop beau. Apprivoiser. Well, I'll never feel somebody like you. I'll never die for another world. En polonais, Kulush Kinglado. Est-ce que quelqu'un a amené les médicaments de Pascal?
Alors, il y a des fans qui me demandent, mais Jérôme, t'as pas peur d'avoir fait une référence comme ça au journal de la peur dans ton clip et tout, et pourquoi le journal de la peur? Cette référence, hein, c'est juste, ben, j'aurais aimé avoir des journalistes qui avaient un peu de couilles là, et qui seraient allés investiguer, faire parler les gens, parce qu'avant tout, la recherche, la science, c'est des débats d'idées contraires. Et ne pas être d'accord, en fait, c'est positif. C'est normal qu'il y ait plusieurs solutions, c'est normal qu'on veuille explorer différentes façons de solver un problème. Ce qui n'est pas normal, c'est de dire qu'il n'y a qu'une seule et bonne solution, et ça fait un peu peur. Ouais, on t'attendait à 11. Bah non, mais regarde, c'est pas grave. Là. C'est pas grave. Ok, tu vois. Ok. Bye. Est-ce que t'es con ? Je vais demander. Ah bah tiens, la voilà. Oh, salut ! Salut ! Ah, c'est cool, ça fait plaisir de te voir. Tu t'es retardé par un individu en bas. Avec un chapeau ? Oui, avec un chapeau. C'est bonjour ! C'est les gars sur le crack qui font ça. Et je repense à ce que tu m'as dit là sur les enfants là. Ça me travaille parce que je me dis en fait c'est je vais mourir seul quoi. C'est sûr qu'on vieillit tout le temps. Il va bien falloir quelqu'un pour vider tes couches. Je te souhaite d'avoir ta citoyenneté canadienne pour moi, peut-être dans un CHSLD. Oui, il paraît que c'est vachement... Ils sont bien. Ils sont vraiment bien!